César du meilleur film documentaire est attribué à... Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. La magnifique aventure en salle de ce documentaire, déjà plus de 700 000 spectateurs, trouve son apothéose ce soir avec ce César, le deuxième pour Mélanie Laurent, après celui de Meilleur Espoir en 2007 pour Je vais bien, ne t'en fais pas, et le premier pour Cyril Dion. Ils se sont rencontrés en 2011, à l'époque où Cyril Dion, à la tête du mouvement Colibri, montait une opération baptisée Tous candidats, dont l'objectif était de mobiliser un maximum de personnes pour la campagne présidentielle de 2012. On retrouvera Mélanie Laurent, actrice, le 24 août, dans Éternité de Tran Anh Hung. Bonsoir, félicitations, merci. Oh, la vache. Merci d'avoir fait ça. D'habitude, l'écologie, tout le monde s'en fout. Et là, vous avez vraiment réparé quelque chose à l'intérieur de moi. Je voudrais vraiment... énormément remercier tous les gens qui ont cru depuis le début qu'on pouvait faire un documentaire sur l'écologie, sur l'économie, sur la démocratie, et que ça serait pas chiant, et que des gens iraient le voir en salle. Et particulièrement Mélanie, qui a cru dans ce projet dès la première seconde, et je te remercie énormément d'avoir fait ce voyage avec moi. Vraiment beaucoup. Merci beaucoup à Bruno Lévy, à Stéphane Sélarié, à Valérie Garcia qui ont cru dans ce projet dès le début. Merci aux 10 000 personnes anonymes qui ont financé ce film et c'est suffisamment rare pour que ça soit souligné. Merci immensément à vous. Merci à Christophe, mon voisin, qui un soir est venu dans ma cuisine pour me proposer de nous donner toutes ses économies pour qu'on puisse commencer à faire ce film. C'est assez rare d'avoir un ami et un voisin comme celui-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos partenaires, à France 2, à OCS, à la Fondation Accio, à tous ceux qui nous ont aidés. Merci à tous les gens qui ont été le voir en salle. Merci à tous les exploitants. Merci à l'équipe de Mars qui a défendu ce film et qui s'est battue pour qu'il reste en salle. Et merci à tous ceux qui ont voté. Vous avez vraiment donné une légitimité à des millions de gens dans le monde qui agissent dans l'ombre et qui ne seront plus jamais dans l'ombre, qui seront dans la lumière. On a voulu faire ce film pour essayer de montrer que on peut tous participer à changer le monde, qu'on a tous besoin de construire un nouveau projet de société, qu'il est plus que temps. Et je crois vraiment que ce César est là une forme de consécration pour eux qui leur permettra d'agir dans le futur. Merci, merci beaucoup. Merci de prolonger le bonheur qu'on vit depuis des mois. Je voudrais remercier mon agent parce que c'était pas gagné d'y croire à tout ça. Merci à mon frère. Merci à mon fils et j'espère que cette jeunesse va prendre ce pouvoir et changer vraiment le monde. Et peut-être que l'humanité n'a pas dit son dernier mot. Et merci, merci beaucoup. Et je suis désolé, un tout dernier merci à Fanny, Pablo et Lou. Merci de me supporter, je vous aime infiniment. Merci.